bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. BNews USA, épisode 266. Moi, c'est Patrice. Stéphane en ligne. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour. Comment on va? Très bien. J'ai quelques petites choses en intro, pas beaucoup. Ah bon? La première chose, c'est Urban South sort une lager ambrée nommée Po'boy Amber. Mm-hmm. Ça m'intéresse, moi. Oui. Et vous? Oui, ça peut être amusant. Alors, je cite, côté maltais, noisette et pain grillé. Ah. Combiné avec des aromatiques fleuries, font de cette lager le complément parfait de votre sandwich po'boy favori. D'accord, moi je sentais quelque chose un peu fumé, tu vois, un truc comme ça. Non, non. T'as... Non, c'est genre toast grillé, tu vois, pour aller avec, avec ton po'boy. D'accord, ils le sortent quand maintenant? Bientôt, oui. Bah, c'est très bien. Ça va sortir, donc si je la trouve, on pourrait la goûter. Ah oui, ça me paraît intéressant. Voilà, j'ai bien envie de la goûter. Mm-hmm. Et puis c'est tout ce que j'ai. Et puis c'est tout, mais, voilà. Moi, mais c'est rien du tout. Oui, mais j'ai amené la bière de la semaine quand même. Heureusement que je suis là. Oui, allez-y. Alors pourquoi dit-on une douzaine d'huîtres? Une douzaine de... Un pack de douze. Pourquoi douze? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que c'est deux fois six. Oui, aussi, mais enfin, c'est quatre fois trois sur le bord-là. Ouais. Voilà, c'est 60... Voilà, c'est douze fois un. C'est 60 moins 48 aussi, enfin, je sais pas. Oui. Non, c'est en fait une méthode, on dirait médiévale, qui devait certainement exister avant, pour compter. C'était à l'époque, tous les gens ne savaient pas forcément lire et écrire, donc, tu vois ta main, droite ou gauche. Ah oui, oui, ok. Tu vois, tu as ton pouce. Oui. Ton pouce va venir compter les phalanges de tes quatre doigts restants. D'accord. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà, comme ça, tu sais combien tu as acheté. Donc, dans l'autre main, on te met un œuf, tu attaques, deux œufs, trois œufs, quatre œufs. Voilà. Vous avez compris, chers auditeurs, auditrices, voilà. C'est oula, oui, c'est d'accord. C'est un mode de comptage. C'est-à-dire que chaque phalange est fait un. Voilà, donc, c'est ça. Donc, un, deux, trois sur ton auriculaire. Mm-hmm. Un, deux, quatre, cinq, six sur l'annulaire. Voilà, d'accord. Voilà. Et donc, c'est le pouce qui compte, c'est pour ça. Donc, 3 fois 4, 12. Ah, bah, dites donc. Non, mais c'est la culture. Ah, bah oui. Voilà, non, mais bon, bien sûr. Mais on en apprend des choses, disons, Vinus. Évidemment, je ne sais plus à qui j'ai piqué ça, mais qui m'excuse. Mais non, il faut dire que c'est toi qui le savais. Non, non, c'est moi qui l'ai trouvé, bien évidemment. Bon, là, par contre, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est beaucoup moins drôle. Ah. C'est beaucoup moins drôle. Comment? C'est-à-dire, bon, comme je souhaite être au fait, non pas des ragots, mais de tout ce qui se passe dans la paroisse, j'ai compris qu'il y avait deux journaux de référence. Paroisse, c'est notre district. C'est notre district, effectivement. C'est les comtés, ailleurs aux États-Unis, ça s'appelle les comtés, ici c'est une paroisse. Exactement. Donc il y a la gazette de oui, la Fourche Gazette. La Fourche Gazette. Mm-hmm. Bon, où là, tu vois des choses qui sont assez amusantes. Tu vois un ancien élève qui est en tôle, par exemple. Ah oui, ça, c'est tout le temps, ça. Voilà, tu vois. En général, ils sont en photo en première page, donc on le voit tout de suite. Tu vois, bon, après, tous les résultats possibles et imaginables de football américain, tout ça. Et puis, à un moment donné, il y avait les personnes décédées. Oui. Donc, en plus, ici, ils te mettent les photos. Alors, parfois des photos récentes, parfois des photos anciennes. Et bon, ça faisait un peu putaclic, donc j'ai cliqué. Et j'ai regardé, donc il y avait une liste assez, bon, avec les photos et tout ça. Et là, je suis tombé sur le cul, je me suis dit, il y a facilement 20% des gens qui sont morts qui ont moins de 60 ans. Oh. Donc, tu avais... Quelques cas, tu sais, d'enfants en bas âge, ou ouais. Voilà, bon, il y avait quelques cas comme ça. Tout le reste, écoute, j'étais choqué, surtout Golden Meadow, la Rose Cross, oui. En bas. Bah, oui. Des bon. Gens de mon âge, c'est plus jeune, entre 45 et 61 ans. Mais moi, ça ne m'étonne pas. C'est l'hygiène de vie. Et c'est bon, on va vous le dire. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de ça en intro, Stéphane. Ouais, mais c'est parce que j'ai fait une enquête personnelle, là, attention. C'est un peu incongru, mais oui, c'est vrai qu'en général, pour généraliser, ils ont une hygiène de vie qui n'est pas top. Voilà, bon, c'est l'alimentation. Il y a ça, puis il y a aussi l'histoire. Il n'y a pas grand-chose à faire, donc qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est manger. Il y a aussi l'histoire de la drogue aussi. Oui, ça aussi. Le fentanyl, bon, voilà. Donc, dis donc, tu lui remontes le moral en intro cette semaine. Bip, bip. Ouais. Voilà, mais là, c'est là, je l'ai piqué à personne, cette info. Il a fait bip, bip, on a fait meux, il a plongé, il a piqué, il a coulé comme un plomb, quoi. Là, c'est une enquête personnelle. Eh ben, bon, monsieur, j'ai autre chose, moi. Oui.
dont je viens de me souvenir. Mm-hmm. Est-ce que tu savais que Flying Tiger, qui est la brasserie de Shreveport, c'est ça? On en a parlé il y a 2-3 semaines. Eh bien, ils sont les premiers en Louisiane, brasserie craft, à utiliser des trucs en plastique pour tenir les packs, ouais. Mais en une espèce de... C'est une espèce de carton, mais ce n'est pas vraiment du carton, en d'accord. Fait. C'est biodégradable, mm-hmm. Et c'est même comestible, si on veut. Bon, ça n'a pas un bon goût, ça a goût de carton. Mm-hmm. Mais c'est fait de, je crois, tu sais... ce qui reste après qu'ils aient fait, la drèche et tout ça, voilà, c'est du grain, quoi. Bah, c'est intelligent. Voilà, et mm-hmm. c'est les premiers à faire ça. Ça se fait au Texas. D'ailleurs, la Yellow Rose était vendue avec ça, avec un. Je sais pas comment on appelle ça pour tenir les six bières, ouais. Qui est fait en fait, qui est biodégradable. Pardon. D'accord, le filet à bière. Allez, oui. Voilà, en le prenant comme ça. Parce que bon, on a tous vu la photo de la tortue de mer, voilà, qui a ça en plein milieu et qui a dû. Mm-hmm. Bon, bref, voilà, mm-hmm. vous connaissez par cœur. Donc voilà, c'est tout. Autre chose peut-être. Non, moi c'est tout, moi. À cause du réchauffement climatique, deux varoises liftées ont explosé à la plage. Quoi? Ça serait pas mal, ça, comme annonce. De quoi tu parles? À cause du réchauffement climatique, deux varoises liftées ont explosé en s'explosant au soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Ça, là? Mais tu voulais quelque chose de fun, je t'emmène quelque chose mais de fun. Mais sur ce du temps, mais ça va pas. Et voilà, c'est différent. Bon, écoute, il est temps qu'on passe à la bière de la semaine. Hein. On vit plus que 60 ans, plus qu'à 50 ans sur le Var, mais... Il peut arriver des fois qu'il y a un accident, quoi. Mais chers auditeurs, qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Un accident de lifting, tu vois. Bon, voilà. Écoutez, je vais passer à la suite. Tu t'exposes au soleil au mois d'octobre, tu crois que l'été est fini, bam, t'éclates, mais voilà. Mais enfin, Stéphane, t'es un raisin sec, mais ça ne va et pas. Voilà, et voilà, mais non, oui, mais voilà. Mais ça va te couper, ça. Bon, allez, vite, oui, la bière de la semaine. Allez, Sonal. Sonal. Alors, Monsieur Stéphane, après ce Sonal dont nous avons l'honneur et l'avantage... Et le secret également. Et le secret, tout à fait. Non, je l'ai trouvé sur YouTube. C'est l'heure de la bière de la semaine. L'heure de vérité. Oui. Tintin. Non, c'est moi qui vous surprends cette semaine. Mais oui. Allez-y. Je vois qu'il n'y a qu'une bière. Oui. Oh, c'est un truc de race, je suis sûr. Comment? C'est un truc avec beaucoup d'alcool? Non. Même pas, alors. C'est différent. Vous entendez que c'est mis dans un plastique non recyclable. En pleine crise climatique, quand même. Est-ce que je vais pouvoir le sortir, d'ailleurs? Ah, ça non, c'est, oui. C'est parce qu'à un moment donné, moi, c'est un peu gonflant, quoi. Hein. Voilà. Ah ben oui, mais vous avez deux mains gauches, monsieur. Dunkel Urban South. Ah. Voilà, monsieur, je vous l'avais promise. Ah. Et maintenant, elle est là. Et on ne l'a jamais chroniqué? Non. Mais comment se fait-il? Bah parce qu'on l'a bu à la brasserie. Tu l'as bu à la brasserie l'année dernière. Mm-hmm. Tu n'as pas pu la boire à la brasserie cette année. Oui. Et donc, je t'avais dit que je t'en ramènerais. Voilà. Magnifique. Non, on l'a jamais chroniqué. Bah non, parce qu'on l'a bu à la brasserie, mais il faut aller à la brasserie pour l'acheter. D'accord, et c'est la première fois que j'en achète en canette. D'accord. Elle n'est pas disponible dans le commerce, au passage. Ah ben voilà. Il faut aller chez eux. D'ailleurs, on voit qu'effectivement, ils font les mêmes efforts d'habitude. Ah, Dunkel, bon. Oui, alors, attention, ça n'est pas prononcé Dunkel, ni Danko, comme ils m'ont dit. Ouais. Attention, Donkey. Parce que... ouais, non. Alors, ça se prononce, attention, monsieur, Dunkel. Dunkel, on le sait. Voilà. Dunkel. Ce qui veut dire... Sombre, voilà. Évidemment, je le savais, j'ai fait allemand en bière. Voilà. J'ai fait allemand alors, formation donc, bière. Donc, c'est la Dunkel mm-hmm. de Urban South. Évidemment, bah, c'est marqué un plus dessus. Oui. Non, une bière allemande sombre, lager allemande sombre. Voilà. Elle a été brassée cette année pour Oktoberfest, bien sûr. Elle a un profil maltais, propre, clean. Oui, voilà, je n'ai pas trop su comment expliquer. Oui. Et une fin de bouche de pain grillé, monsieur. Je m'en rappelle. Oui. Elle fait 5 degrés 2. Oui, très honorable. Elle fait 15 d'IBU, d'unité internationale d'amertume. D'amertume. C'est une lager, bien entendu. Oui. Le style, c'est Munich
Dunkel. Dunkel. Dontact. Voilà. Dontact. Dontact. Voilà. Don duquel. Voilà, don duquel. Alors, il y a, un mélange de Floor Malted Pilsner. Mmh. Voilà. Ça, c'est pour les maltes. Et de malt Bohemian Dark également. Oui. Donc, il y a deux types de maltes. Avec des notes de chocolat de boulanger. Tu sais, les chocolats de confection, ouais. Tu sais. Oui, ben, j'adore ça. Voilà. Mmh. De café de torréfaction moyenne. Oui. Je ne sais pas ce que c'est trop, moi je ne suis pas trop fan de café. Moi j'adore aussi. Et de caramel anglais, autrement dit, Toffees. Ah ben voilà, c'est pour ça que j'aime cette bière, voyez-vous. Eh bien voilà le profil. Ils ont bien raison de ne pas la vendre dans le commerce, ça pourrait ne pas se vendre, hein. C'est vrai que ça pourrait... C'est trop bon. C'est, voilà, ils sont pas idiots des fois. voilà, ben oui, parce que c'est sûr, Dunkel, Dunkel. Alors mon épouse, alors quand on est allé là-bas, on a pris, j'ai expliqué la dernière fois, mais... C'était des, tu sais, bah, on va la boire dans nos pintes de qu'on avait acheté l'année dernière. Cette année, c'était des pintes de 1 litre. Ça, c'est une bonne idée. Et oui. Et donc, moi, j'ai pris 1 litre de Fassbier et mon épouse a pris 1 litre de celle-ci, de la Dunkel. Et elle a gagné, j'imagine. Ça devait être meilleur. Oh non, tu sais que la Fassbier est absolument magnifique. Ah, mais c'est pas possible. Oui. C'est incroyable, ça. Donc, on y va? Ah, bah oui, là. Allez. Avec plaisir. Une canette de 16 onces. Voilà. Oui, magnifique. Ça, c'est la mienne. Mm-hmm. Et ça, c'est la tienne, parce que j'ai mis un petit truc en dessous. Oui, pour savoir. Oui. Je me suis dit, comment peut-il savoir? Mais oui. Là, là. Est-ce qu'ils vendaient des verres en plastique, d'ailleurs, là-bas? Bah oui, le 1 litre. Le 1 litre, d'accord. Celui-là, c'était l'année dernière, et cette année, c'est le 1 litre. Mais c'est normal. L'an prochain, c'est 1 litre, normal. Alors, donc, à l'aspect, bah, c'est une Dunkel, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est particulière. Elle est sombre. Elle est sombre, oui. Elle pourrait être plus couleur noisette, un peu. Là, elle est vraiment très sombre. On n'est pas loin. Ouais, presque la Guinness. Hein, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas loin de cette couleur Guinness, effectivement. Un ton en deçà. Et rubis, quand on la met à la lumière. Ouais, rubis, oui. Un peu plus clair qu'une Guinness. Bon, la mousse. Ça tient bien. Ça tombe bien, c'est la Coupe du Monde. Voilà, c'est... Voilà. De c'est rubis. Un rubis, ouais. On ne parle pas de ça, ça va... Pardon. Non, je vous en prie. On ne parle pas de cordes dans la maison d'un pendu. Voilà. Il y a eu des déceptions. Des déceptions, c'est voilà. Qui, ça C'est l'arbitre. Donc, il y a un petit doigt de mousse qui est Mocha. Mocha. Oui, très beau. Mocha, qui se dit d'ailleurs Mocha en français. C'est assez absolument extraordinaire. Hein. Oh, le nez. Effectivement, floral. Voilà, c'est une réussite, cette bière. Pourquoi ils ont bien raison de ne pas la commercialiser, de la garder pour eux dans leur frigo, là, tu vois. Voilà, elle est que pour nous. Oi, oi, oi. Écoute, ils c'est café torréfié. Cette bière est excellente. Café torréfié, toast grillé, Toffees. Ouais, Toffees, effectivement. Et puis, effectivement, un nez de plante qui Il y a même un nez. Il y a un côté bubblegum, presque, tu sais, cette espèce de toffee bubblegum en même temps. Non, je sens. Effectivement, pain grillé. Chocolat. C'est un minimum. Chocolat noir, pain grillé. Chocolat, toffee. Plante, quelque chose d'un peu floral plus que plante. Oh là là, floral. là. Pourquoi ils ne commercialisent pas leurs meilleures bières? J'en sais pas. Ils ont bien raison. Moi, je ferais pareil, je la garderais pour moi, que pour moi. Je ferais 500 litres, rien que pour moi. Voilà. Ça, je suis désolé, mais ça pourrait se boire avec un chevreuil, les choses comme ça. Oui. Avec de la viande. Ah oui. Avec du gibier, mon Dieu. Du gibier. Ça s'appelle, monsieur. Oui, du gibier. C'est pour dire la qualité de cette bière. Oh évidemment, avec des fromages, pâtes cuites et compagnie, mais là, c'est beau aussi, là. Avec des pâtisseries aussi au chocolat, oui. Oh, ben voilà. Ouais. Puis quoi encore, on n'est pas très originaux, là. En parlant d'allier la bière avec de la nourriture, est-ce que vous avez encore mon cheddar? Bien sûr. D'accord, ok, il va falloir l'ouvrir un T4 avant qu'il soit moisi. Mais oui, avant qu'il soit contaminé par d'autres fromages. Bon, est-ce qu'on trouve autre chose au nez? Sinon, moi, j'ai soif. Mais écoutez, on va attendre pour t'assoiffer. Ah non. Non, c'est... C'est l'hymen. Attends, c'est l'hymen d'ailleurs que nous saluons. c'est l'hymen. Excusez-moi, on n'a pas les droits là.
On va être striké. On va être striké. On va être stray cat. Bon, Stéphane, c'est très clairement ta préférée du panel de Urban Sour. Oui, carrément, de toutes les bières qu'ils font. Donc c'est, ah oui, carrément. Oui, ils ont mis raison à pas la vendre. Ah, tiens, c'est bien joué, ça. L'année dernière, tu l'avais bu que celle-là. Bah oui, non, mais... Bon, dans le style, c'est une œuvre d'art. Alors déjà que j'adore le style... parce que justement, il y a cette apparente simplicité et en fait une véritable sophistication. Parce que dans le nez, bon, souvent tu peux avoir de chocolat, café, ce que j'aime bien aussi, tu sais, poudre de fusil. Mm-hmm. Tu vois, tu peux avoir des choses comme ça. Un côté terreux aussi qui peut aller avec, un côté cacao, thé, fèves de cacao. Mm-hmm. Mais là, en plus, tu as une note florale, effectivement également pain gris. Oui, on l'a déjà dit, tout ça. Ouais, mais il y a tout ça qui vient avec, il y a tout ça ensemble dans cette bière. Et au nez. J'ai regardé sur Untappd, il y a un type qui disait d'un col honorable. Oui, c'est bon. Bon. Oui, bah, je sais pas ce que toi, ce que t'as vu, mais... Comparé aux Allemands, qu'est-ce qui va manquer? Mais c'est peut-être parce que c'est pas la même catégorie. Il y a plusieurs types de Dunkel. Il va manquer un goût de fruits cuits, de pruneaux. Ah oui. Voilà, c'est ça qui va manquer. Ah d'accord. Donc si effectivement tu compares à des Dunkel qui ont ce goût-là, oui. Mais si tu compares à d'autres Dunkel qui n'ont que le goût de chocolat, ben déjà ça me plaît beaucoup, de poudre de cacao, de poudre à fusil, de pierre à fusil, des choses comme ça. Voilà. C'est ça qui va manquer par rapport à certaines Dunkel allemandes. Qui sont beaucoup plus pruneaux, fruits cuits. Bah, bon, comme des stouts vieillis en fût un peu. Voilà. Non, qu'est-ce que tu veux? Bon, honorable, oui. C'est honorable. Oui, bon. Non, c'est pas honorable, c'est nul. C'est nul parce qu'il la commercialise pas. C'est nul, zéro. Voilà. On y va? Oui. C'est parti. Voilà, j'ai même pas encore foutu dans la bouche que j'ai amené le café qui remonte, qui est absolument extraordinaire. Oh. Il y a un côté citronné. Ouais, acidulé. Qui va avec le café parfois. Oh. Et puis tu as un fond de bouche. En rétro-olfaction. Rétro-olfaction, voilà, je cherchais mes mots. Un côté cochonaille canaille. Qui est dû à la levure. Qu'on retrouve dans certaines bières allemandes aussi. Oui. J'avais les voisins, c'est-à-dire les fils de ma voisine allemande, c'était un peu trop américanisé, qui buvaient une bière allemande à la bouteille. Oh non! Oh, y être. Bon, mais bon, écoute, j'avais offert le pack, donc je n'allais pas dire « Ah, oh, tu touches pas, toi, tu touches pas, ta mère, elle y a droit !» Tu verses ça dans un verre. Et effectivement, la première chose qui ressort de ces bières, c'est une lager, hein, mais si tu les bois comme ça... Bah, tiens, la levure, elle vient avec, tu vois. Ouais. Et ça fait un côté cochonaille, cochon grillé. Et là, on retrouve ça un petit peu, un côté charcuterie. Donc, ce qui me fait dire que cela accompagnerait parfaitement également des jambons crus, des saucisses là. Ah oui. Des saucisses allemandes. Voilà. J'ai bien envie, je suis désolé. 5 degrés 2, c'est pas mal quand même. 5 degrés 2, oui. Alors, bon, je bois ça toute la nuit, enfin peut-être pas la nuit, mais bon, je me lèverai pas la nuit pour en boire parce qu'il faut que je travaille le lendemain. Voilà. Sinon, le samedi, oui. Ouais, voilà, sinon je voilà. Ouais. Le vendredi soir. Oui, bon, je dors. Bon, magnifique. Et la vente de la canette, ils la vendent par pack de 6. Pack de 4. Pack de 4, ah, c'est, ils n'ont pas le mode du comptage médiéval. Faut pas non. Dire. Voilà, faudrait que je leur montre ma main, voilà, tu vois. Oui, mais c'est des canettes saison, quand même. Ah, d'accord, pardon. Parce que même, je m'en fous, moi j'avais des packs de 24. Bah oui, je me demande pourquoi j'en ai pas acheté plus. Bah oui. Là, je suis prêt à te tenser. J'aurais dû. Il fallait venir, monsieur. Bah, oui, il fallait se réveiller en bonne forme. Même, ah bah oui. Ah bah voilà. Bon, je vous en ai ramené, c'est pas mal déjà. C'est vrai, c'est pas mal. Bon. De quoi ils se plaignent, les auditeurs? C'est pas possible, quand bon. Même. C'est incroyable. On va pouvoir marroniser, là, oui, c'est 18,5, là. Exactement, c'est ce que j'allais dire, 18,5. Je sais qu'on donne beaucoup cette ouais, mais note. On peut donner une note plus pourrie aussi, ça dépend ce qu'on va boire. Hein. Bon, on a donné des notes plus pourries dans le passé récent. Oui. Oui, donc bon. Ouais. Non, là, 18,5, c'est vrai qu'on nous fait la remarque souvent, on donne souvent des 18,5, mais là, c'est... Bon, oui, voilà. Parce que pourquoi pas 10? Parce que c'est pas novateur, c'est rien, c'est pas un goût...
qu'on ne connaissait pas, c'est pas un style qu'on ne connaissait pas, c'est pas la Rolls dans le domaine, dans un domaine précis. Mais pourquoi au-dessus de 18? Parce que c'est l'excellence. C'est pas la référence mondiale, mais non. C'est la bière que j'aimerais boire tous les jours. Oui. Donc à partir de là, tu vois, c'est pas une bière. Je dis oui, tu vois, je l'achèterai de temps en temps en fonction de la saison. Non, c'est tous les jours. Le problème, de la vache. Le problème, c'est qu'elle est disponible une fois par an, juste à la brasserie. Voilà, c'est embêtant quand même. C'est un jeu de Monopoly, quoi. Si vous continuez, vous passez par la case prison. Bon, voilà, ne vous touchez pas 20 000. Il faudrait faire une virée là-bas pour en acheter, voir s'ils en ont encore, et passer prendre de la Jax. Voilà. Monsieur Stéphane, quand même. Peut-être que les vacances... Oui, les vacances sont loin pour nous. Oui, vacances, c'est dans... Je sais pas, moi. C'est à la fin du mois prochain. Ouais. Faudrait qu'on fasse ça. Peut-être une idée. Peut-être une idée, là, qui me trotte dans la tête. Une bonne idée, même. Voilà, je m'étouffe, là, vous voyez. Mais d'ici là, ils n'en auront plus. Mais on va leur demander qui conserve les stocks. Mais la Jax, ils en auront toujours. Ça, je sais pas. Ouais, ils ont intérêt, sinon, c'est, si on se déplace pour rien. Alors. Non, la Jax, je pense que c'est one-off, comme ils disent. Oh, c'est pas possible. Une fois, c'est pour rigoler, et hop, on passe sinon, à autre chose. Il faudra aller chez le gros marchand, où là, bon, j'espère qu'ils auront des trucs un peu originaux, quoi. C'est-à-dire? Ah oui, le TW. Voilà, TW. Ouais. Oui, mais il n'y aura pas ça. Ah non, non, mais si on va pas repartir bredouille. On va pas repartir triste, déçu, voilà. Non, mais il y aura autre chose là-bas. Oui. La Po'Boy, par exemple, j'aimerais vraiment la goûter. Ah oui, voilà. Ouais, bah, ils vont quand même la commercialiser, ça, non, un jour aussi. Et tu sais ce qu'on peut faire? Oui. Oh, j'ai une idée. Mm-hmm. Si je peux trouver la Po'Boy, à mon avis, elle sera dans mon magasin, à Canada. Ouais. Si je la trouve, mm-hmm. On s'achète un Po'Boy, on le coupe en deux, mm-hmm. et on mange le Po'Boy en direct avec la bière Po'Boy. On peut d'abord goûter la bière, et puis après la bière avec le Po'Boy. Ouais, hein ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas très Po'Boy, mais bon. Mais quand même. Moi, je suis pas comme ça. Mais enfin, monsieur. Je suis pas comme ça, vous le savez. Avec des crevettes frites. Ah, ça, c'est mieux déjà. Eh ben oui. Mais je ne suis pas comme ça. De chez Black Keys. Ah, ça, c'est mieux déjà. Ah, non, 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 mais il y a des projets là qui voilà. sont. Qui arrivent à l'horizon là. Mm-hmm. Bon, ça, c'est un sans faute. Sans faute. Voilà. Pas de problème. On va pas vous en parler plus longtemps parce que voilà. On l'a déjà dit. Voilà. On va se répéter. Bien sûr. Bon. Appuyez sur la touche replay. Waouh. Mmh. Mmh. Wow. Dommage qu'il ne la fasse qu'une fois par an. Mmh. C'est chenapant. Et que ça ne soit pas disponible ailleurs que chez eux. Ouais. Ouais, mais moi je suis comme toi, je boirais ça toute l'année. Toute l'année, l'été, l'hiver. En classe avec les élèves. À la plage, à la montagne. Ouais, avec les élèves, dans la salle des profs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller aux toilettes? T'as vu ce que j'ai bu? Moi, je... Avec tout ce que j'ai bu, j'ai même pas envie d'aller aux toilettes. Alors, tu vois, fais comme moi. Hein. J'en suis à deux pintes et je sais me contenir. Non, c'est pas à toi, avec tes deux verres d'eau, là, que tu veux aller aux toilettes. Bon, voilà, monsieur Stéphane. Oui, voilà, avant de dire des bêtises. Oui, n'importe quoi. N'importe Sinon, quoi. Cette semaine, Stéphane, c'est n'importe quoi. Tu es complètement débridé cette semaine. Je sens que j'ai pas bu d'alcool. C'est que ça me manque, là. Dites donc, avec quoi? Avec cette bière. Ouais. Oui, mais avec retenue, avec modération. Modération. Voilà. Avec parcimonie, l'italienne. Aussi. Ouais. Est-ce qu'on écoute le sonal du conseil du voyage et qu'on s'en reparle? Bien sûr. Allons-y. Monsieur Stéphane, le conseil de voyage de la semaine se passe à Providence, Rhode Island. Oui. Voilà. Je ne connais pas, mais j'ai bien envie d'y aller parce que le Rhode Island, c'est un peu particulier comme état. Oui. C'est un peu l'Andorre ou la Principauté de Monaco. C'est tout petit, ouais. Et puis, ils ont, ils ont un système bancaire qui est, comment dirais-je... Ah bon? Ah oui, c'est un peu... Voilà, c'est un système bancaire, c'est particulier. C'est un petit État, mais qui vit au détriment un peu des autres États aux alentours. Voilà. Excusez-nous. Donc, ça peut être amusant. Alors, monsieur, à Providence, Rhode Island, il est illégal, attention, de vendre du dentifrice et une brosse à dents au même client le dimanche. Je suis d'accord. Je suis d'accord, voilà. Donc, il faut faire un choix. Voilà. Soit brosse à dents, soit dentifrice le dimanche. Ou soit à plusieurs clients.
Oui. Soit, soit tu vas avec ta femme et vous passez à deux moments différents. Il faut s'organiser. Quoi. Non, c'est normal. C'est là où il y a des lois. Le dimanche seulement. Par contre, tu peux déposer de l'argent en toute sécurité. Oui. Voilà. Non, c'est pas un problème. Mais le lundi, tu peux acheter les deux. Oui, mais pas le dimanche. Non, le dimanche, mais non, ils ont du mal à se fournir. Voilà, c'est normal. C'est le dimanche. C'était bien. Bon. Oui. Coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. Oh, j'ai oublié. J'ai omis de dire une chose en intro. Oh. C'est pas mon coup de cœur, mais ça va avec. D'accord. Ma collègue de travail, revenant de duty, nous avons des duties. Explique ce que c'est que duty. Un duty, c'est accompagner les enfants aux voitures, aux bus, tout ça, après le temps d'enseignement. Voilà, c'est-à-dire les surveiller dans les couloirs, etc. etc. Et donc, elle revient et elle me voit tout sourire. Elle fait « Ah, qu'est-ce qui te fait sourire ?» J'y fais « Mais Saint-Marin a marqué un but. Ouais. » Elle me regarde, bah, déjà, je ne savais pas trop où c'était Saint-Marin, comme beaucoup de gens. Mais j'ai fait la République de Saint-Marin. En plus, il y avait un article sur SoFoot que j'étais en train de lire. Et il dit, bon, ils se sont pris 3-0 en Irlande du Nord. Donc l'article, c'est ils ont 6 fans qui les accompagnent un peu partout dans le monde, tu vois. Et dans le monde, c'est un bien grand mot parce qu'ils n'arrivent pas à se qualifier pour les compétitions internationales, mais, hormis européennes. Et là, j'ai pas eu le temps de finir l'article, d'ailleurs. J'en suis fort, Marie. Et donc... Les fans de Saint-Marin disaient bah, « Vous savez, si on perd 3-0 face au Danemark, nous, normalement, si on était sur le terrain, on perdrait 50-0, donc on considère que c'est un exploit. La dernière fois qu'ils ont gagné un match, c'était il y a 20 ans, enfin 2004, presque 20 ans, face au Liechtenstein 1-0. Et la dernière fois qu'ils ont marqué un but, il y a longtemps. » Et là, je regardais d'abord les résultats. Ils ont marqué. Je vois les résultats. Danemark ouvre la marque, c'est normal, c'était attendu. Égalisation de Saint-Marin. Donc je vais aller sur YouTube pour regarder parce qu'ils deviennent fous à ce moment-là. Mais ils ont perdu 2-1 face au Danemark, ce qui est extrêmement peu. Donc là, c'était une mise en bouche, n'est-ce pas ? On s'en fout. J'espère que vous savez où Saint-Marin, sinon c'est quand même les grands associés avec Saint-Pellegrino. C'est quand même ne pas savoir mettre le Saint-Pellegrino sur une carte. Bon, pour nous, c'est plus difficile, c'est le seul état mobile du monde. Ben oui, ça dépend voilà, des saisons, périodes de l'année. Des jours, voilà. Alors que c'est marrant, c'est facile. Mon coup de cœur reste dans le domaine des micro-nations. J'espère que ce n'est pas le foot encore. Si. Les îles Marshall, ça devrait te parler, les îles Marshall. C'est chez toi maintenant. Moi, je connais le plan Marshall, moi. Oui, moi aussi. J'étais bien jeune. Les îles Marshall. Les îles Marshall. Je ne connais pas ça. Ben, ça appartient plus ou moins aux États-Unis. C'est un peu comme Puerto Rico, c'est-à-dire avec. Et Guam. Et Guam, oui, avec une forte autonomie, mais que quand même, bon, sous le parapluie américain. D'accord, on ne quand même pas les attaquer non plus, parce que, voilà. On les laisse tranquilles. Voilà, on les laisse tranquilles. Était un des rares endroits de la planète où il n'y avait pas l'équipe de... Football. Eh bien, ils ont décidé d'en créer une. On s'en fout. Non, c'est le comment. Ils sont 30 à 40 000, ils sont 30 000 habitants, je crois, 40 000. On va dire 40 000 habitants. Quand même. Et ils ont, on est quand même maintenant à l'ère des réseaux sociaux, comme on dit dans les médias. Et donc, évidemment, sur Instagram, ils ont montré le futur maillot de l'équipe. Bon, il faut d'abord qu'ils soient reconnus par la Fédération internationale de football association, n'est-ce pas ? Mais bon, ils ont déjà sorti le maillot, alors ils ont été plus soyés à l'infini. Oh. Ceux qui ont lancé l'idée au début, c'était 3 à être suivis sur Instagram. Maintenant, ils sont un peu plus nombreux quand même. Eh bien voilà, je soutiens cette équipe et je me dis qu'un jour, elle affrontera évidemment lors d'un match amical. Sans Pellegrino, c'est évident. Bien sûr. Évident. Très bien, eh bien monsieur. Et c'est marrant aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Eh bien, moi, mon coup de cœur, je vous l'ai envoyé. Oui. Vous l'avez écouté. C'est Sylvie Vartan. Non. C'est la Sylvie Vartan américaine. Oui, un peu. Un peu, quand même. Mais elle chante mieux, quand même. Oui. Je vous rappelle que Sylvie Vartan chante-t-elle vrai ou faux ? Voilà. Vous cochez la bonne réponse. Non, elle chante mieux, quand même. Oui, oui. Bon, j'allais dire, il n'y a pas de mal, mais là, ça va. Oui, non. Quand même, c'est fini, oui. On est dedans. Quand même. Bon. Elle a fait des progrès, Sylvie. Ah bon ? Oui. Elle a toujours envie, c'est le passage ? Oui. Ah, je sais pas, voilà. Le monstre. Ça fait longtemps. Ben, elle a fait des progrès. Je sais plus qui c'est qui disait, j'irai l'avoir chanté quand on aura fini de faire des progrès. Bon, ça c'est... Allez, oh non, mais on arrête, là. Ah, ça c'est fait. Oh, c'est dur. Arrêtez de taper sur Sylvie. C'est du Sylvie bashing, là. Voilà. Arrêtez le Sylvie bashing. Comment dire en bon français. Voilà. Au 21e siècle. Bon. Non. Moi, mon coup de cœur, c'est un disque et surtout un documentaire, monsieur. Ah, oui. Eh oui. C'est alors, vous entendez en fond sonore Tanya Tucker. Et le documentaire s'appelle The Return of Tanya Tucker featuring Brandi Carlile. Oh. Est-ce que tu connais Brandi Carlile ? Pas du tout. Eh bien, c'est une autrice
compositrice-interprétrice. Mm-hmm. En 2019, elle s'est associée avec le pote Shooter Jennings. Oui, ça, je me rappelle qu'elle a fait un album. C'était pour, oui, ouais. Qui est producteur, qui produit tous les bons trucs, qui a produit Jesse il y a pas longtemps. Normal. D'ailleurs, Shooter parle de Jesse dans le documentaire. Normal. Au détour d'une phrase. Et donc, en 2019, Brandi Carlile et Shooter Jennings se sont associés. Brandi Carlile a décidé d'écrire un album entier pour Tanya Tucker, qui n'avait pas sorti d'album depuis 10 ans. Ouais. Et elle s'est dit, mais c'est un crime que cette femme ne soit pas rentrée dans un studio en 10 ans. Mmh. C'est un crime. C'était un de ses héros quand elle a grandi. C'était une légende des années 70-80. Absolument. Et Brandi Carlile, c'est une icône pour elle. C'est son héros, c'est son héroïne de musique. Elle adore c'est Tanya Tucker. Donc elle s'est dit, mais quel crime que moi je vais lui écrire un album. Voilà. Mm-hmm. Et Shula Jennings a dit, allez banco, on y va, on lui écrit et produit un album pour son. Alors comeback, elle aime pas. Tanya Tucker a dit, j'aime pas qu'on dise que c'est mon comeback. Alors on a dit, bon, bah, c'est The Return. Ouais. Voilà. L'album est sublime. Qu'est-ce que tu as pensé des morceaux que je t'ai envoyés? Produit pour elle. Ah oui. Ben, produit pour elle, pour sa voix, pour le style, pour également. Qu'on entend en fond sonore. Ouais. Et également. Ouais, pour rappeler l'époque aussi un petit peu, c'est les 70. Ouais, moi je pense à Macallan Cowboy, je pense à des trucs vraiment fin 70. Ouais. Je dirais la période 78-83, par là vraiment, elle était. C'est rétro, mais moderne en même temps. Ouais. Très belle production. Mm-hmm. C'est Shooter qui joue du piano. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Le documentaire vient d'arriver sur Netflix US. Mm-hmm. Alors, j'ai demandé à Monsieur Seri, qui est pour moi la référence. Il fouine pour voir un peu où c'est disponible en flux continu en Europe. Mm-hmm. Il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a trouvé. Enfin, gratuit, c'est-à-dire avec subscription. Oui. Il ne l'a trouvé que sur, je crois, iTunes et puis Amazon, mais à la vente, malheureusement. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Je crois que je vais l'acheter même. Mm-hmm. Parce que j'ai regardé sur Netflix, donc il est inclus dans mon forfait Netflix. Mais je crois que je vais quand même l'acheter pour le re-regarder. Ouais. Parce que c'est... Alors déjà, c'est passionnant, voilà. Et c'est très émouvant. Moi, il y a des moments où j'ai presque une larme à l'œil. Parce que c'est vraiment... C'est très émouvant. Elle parle de sa vie un petit peu. Je connais pas trop sa vie. Et moi non plus, je connaissais pas. Je sais qu'elle a commencé jeune. Très jeune, elle a commencé à 12-13 ans. Ouais, son premier enregistrement, je crois, c'est à 12 ans. Ouais. Et son premier hit, elle avait 13 ans ou 14 ans ou 15 ans. Enfin, un truc comme ça, un truc de fou. Mais c'était numéro 1 dans tout le pays. Enfin, bref, c'est une légende. Le documentaire commence le premier jour des sessions d'enregistrement. Voilà, c'est le tout début. Mm-hmm. Et se finit, voilà, je vais pas vous le divulguer la fin. Mais voilà, il y a une très belle fin en même temps. Et c'est... J'aime pas utiliser les mots inspirants et tout ça, parce qu'ils sont très à la mode et un peu... C'est transpirant. Mais vraiment, j'ai trouvé. Moi, personnellement. Je reprends. J'estime. J'ai trouvé ça magnifique, très intéressant. Si on s'intéresse à la musique, à la musique country, aux enregistrements studio, à la production d'un album, et en même temps à la... Ils ont comparé ça un petit peu à la résurgence de Johnny Cash. À part que Johnny Cash, pour moi, il avait toujours du succès. Enfin, oui, j'ai toujours suivi. Mais tu sais, les American Recordings Rick Rubin, dans les années, c'était quoi, les années 90, 2000 90. Oui, parce que... Il a fait un comeback un petit peu. Pas pour les gens comme moi, mais non, parce mais que... Non, Stéphane, parce que on parle pas des fondus comme nous. On parle du public. Parce que bon, il a été... Il faut savoir que le grand, l'immense Johnny Cash avait été viré du label CBS. Oui. Parce qu'il voulait des vendeurs à l'époque comme Springsteen ou Julio Iglesias. Voilà, donc bon, oui, on en est là. Et Johnny Cash sortait, après cette période-là, au moins deux albums par an, minimum deux albums par an sur des labels... Plus ou moins confidentiel, mais on les retrouvait en Fnac. Philippe faisait ce qu'il voulait, les albums de gospel. Alors, il y a des trucs que j'achetais sur un label allemand. La discographie, à mon avis, de Johnny Cash, c'est pas passablement amusant en ce moment-là. Parce que j'ai pas pratique, moi, j'ai pas tout. Mais j'ai énormément de choses de Johnny Cash et tous ses albums, ils sont passés un petit peu à la trappe. Mmh. On les trouvait fort heureusement en Europe, à la Fnac. Dès qu'il sortait un truc, facilement, chaque 6 mois. Hein. Mais aux États-Unis, il était aux abonnés absents. Aux États-Unis, Il avait été là, c'était le creux de la vague. Oui, ah oui, puis après, bon. Et là, il est revenu à la fin comme maintenant, il est.
il est cultissime. Je ne compte plus le nombre de musiciens ou même de parents d'élèves à un moment donné qui portent des t-shirts avec Johnny Cash en train de faire le doigt d'honneur. Rick Rubin, je pense, a beaucoup contribué à ça parce que il l'a fait revenir sur le devant de la scène. Oui, c'est ça. Je parle dans l'inconscient collectif populaire. C'est surtout qu'il. Je parle pas des fans de country music. Surtout qu'il a, il a mis Johnny Cash en face d'un nouveau public. Oui. C'était un public d'étudiants, plutôt de gauche, plutôt de type alternatif voilà. Universitaire, californien, new-yorkais, tout ça. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec plusieurs publics. Il avait son public fidèle country. Ouais. Comprendre même carrément d'agriculteurs et tout ça. Un public de vinyl freaks en Europe, c'est-à-dire de gens qui achètent des listes, je faisais certainement partie, mais qui disaient « Ah, ben la troisième prise en 1957 de tel morceau, je l'ai sur le label Sun Records. » Bon, voilà, il les connaît. Il les connaît parce que j'ai eu le bonheur de voir Johnny Cash sur scène et devant lui, il y avait un gars qui était habillé dans les années, c'était vraiment les années 40, et qui faisait du jump and jive. Et Johnny Cash n'était absolument pas surpris parce qu'il connaît ce public. Il sait que s'il va au Pays de Galles, il va avoir des cow-boys avec des franges à paillettes, tu vois. Il va avoir des gens qui sont habillés jazzy, années 40, tout ça. Et garde sécession. Des trucs, oui. Tout ça, tous les trucs loufoques comme ça, il connaît ce public européen qui est assez particulier, qui est un public, bon... De fondu. De fondu, voilà. Qui est un public total. Au Japon, évidemment, la même chose. En Australie, ouais, en Australie, ça ressemble un peu plus aux États-Unis. Mais en tout cas, aux États-Unis, il avait son public de base, voilà. Et il est venu s'agréger un public d'Entello. Grâce à ses albums voilà, produits par Rick Rubin. Alternative. Ah oui, parce qu'il reprenait des morceaux de Nine Inch Nails, de Soundgarden, des trucs complètement incongrus. Ouais. Et donc, il est arrivé les universitaires, les étudiants. Ce qui fait que lorsque j'écoutais Johnny Cash dans les années 90, j'avais l'air d'un con. Il y a même un gars, je me rappelle, j'avais acheté un disque, il m'avait dit, comment il s'appelait, il y avait un, bon, en gros, c'était, tu écoutes, comment il s'appelle, celui qui a chanté Papa Noël, Tino Rossi. Ouais. Alors, c'était pire que ça, que Tino Rossi, c'était un gars qui chantait Tino Rossi, qui s'appelait Jack Lantier, qui avait un gros nœud pape, tu sais, oui. Et là, Johnny Cash était un habit western, donc le gars, il m'a dit, oh, ben, tu écoutes Jack Lantier. Ah, mais ça, le problème, c'est que le gars, il savait pas à l'époque. Parce que lui, il correspondait bien à cette mouvance qui allait plus tard apprécier Johnny Cash, parce que c'était bien des côtés de Johnny Cash. Et tout d'un coup, c'était mais la mode. Mais en 1986-87... Alors, c'était un plouc. Voilà. En plus, la pochette, tu sais, n'avait rien de rock'n'roll. Tu avais Johnny Cash en costard western, quoi, tu vois. Voilà, tout simplement, avec un grand sourire et compagnie. Puis derrière, tu avais des chansons à tomber, bien évidemment. Et là, il n'était pas encore dans la reconnaissance. Mais non. Voilà. Et après, des années plus tard, quand je suis arrivé ici aux États-Unis... Les Européens, je parle de French teachers, je ne parle pas des Américains, c'était vraiment... C'était hip. C'était à la mode. Donc c'était rigolo, tu vois. j'étais allé voir Johnny Cash en 1995 à l'Élysée Montmartre. Nous étions... Il n'y avait pas de publicité, rien. Aucune publicité, je crois qu'il devait y avoir 1600 personnes quand même. Ah oui. Sans publicité. Avec publicité, c'était 7000. C'était vraiment des trucs comme ça. Et tu avais donc, Antoine Decaune qui était au fond. Tu avais des présentateurs d'M6 qui étaient derrière, tu sais, tous, ils se cachaient presque, mais tu les voyais, bon, voilà. Moi, j'avais Decaune qui était assis, c'était à l'Hôtel du Nord à Paris, c'était pour un concert acoustique solo de Ryan Adams au début, au moment où il est parti en solo, c'était son premier album solo Heartbreaker, c'est pour ceux qui connaissent. Il a fait il avait demandé, son manager lui avait demandé qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, et il avait dit je veux faire un show solo à Paris. Ouais, et bon. Donc il avait il avait booké l'Hôtel du Nord, et donc j'étais assis et je me retourne. C'était les tables en fait. C'était un peu comme un petit restaurant, une petite salle de restaurant, mais vraiment toute petite. Et il était dans un coin et donc il y avait des tables. On était chacun à une table et je me retourne. La table derrière moi, c'était Antoine Decaune. Ben voilà. Et moi, c'était un peu plus grand. On devait être 25 dans la pièce. Et j'avais pris, tu sais, ce que j'étais monté spécialement à Paris. Parce que bon, je suis quand même du sud de la France. Et bien oui, t'étais monté à la villa. À cette époque-là, je ne vivais pas à Nîmes de France, n'est-ce pas? Et donc, j'avais pris le TGV, j'avais pris une chambre d'hôtel à l'Élysée Montmartre, qui était juste à côté de l'hôtel, mais quand je dis juste à côté, c'est-à-dire à 35 cm de... Waouh. L'hôtel était attenant à la Seine et tout ça. Quoi. Voilà, un très très bon souvenir, peut-être le meilleur concert auquel j'ai assisté, parce que bon, il était d'un charisme extraordinaire. Il prenait la lumière, il avait une connaissance
Il était intelligent, ça se voyait. Il voulait imposer une période acoustique, donc il y a un gars qui dit c'est à la parisienne quoi. Bon, non, monsieur, mais on fustige pas les habitants de la capitale. Lui, il a dit nous avons les Parisiens qui nous écoutent. Oui, je sais, mais bon, il lui a aboyé dessus dans une langue, je sais pas si c'était en français ou en anglais. Et Johnny Cash a fait excuse me, sir. Voilà. Bon. Genre, voilà, il a continué. Puis après, bon, voilà, il a raconté ses histoires. Alors, il n'a pas dit. Hello, je le fais mal. Hello, I'm Johnny Cash. Il n'a pas dit là, il n'a pas dit la première chanson, il a dit la deuxième. Ah, et là j'imagine c'est oui. Tout le monde. C'était. Et il avait les musiciens que je connaissais pour les avoir vus sur des cassettes VHS. Des cachettes. Et non pas sur des cachettes VHS. Non. Mais dis donc. N'importe quoi. Mais ça. N'importe quoi. Mais cet épisode est classé X, monsieur. Voilà, arrêtez. Voilà, caché X. Mais les gens, nos auditeurs ont des enfants. Mais t'imagines les gens qui nous découvrent en plus. En plus, si c'est votre premier épisode. C'est obscène. Si c'est votre premier épisode, ça sera votre dernier. Voilà. Dis donc. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que Tanya Tucker, ils ont fait un petit peu une résurgence, renouvelé un petit peu sa carrière à l'image de Johnny Cash. Et d'ailleurs, ils en parlent, ils font un petit peu cette comparaison. Brandi Carlile parle un petit peu de cette production de Rick Rubin, de Johnny Cash. Elle dit, je veux faire pour... Elle dit à Tanya Tucker, je veux faire pour vous... ce que Rick Rubin a fait pour Johnny Cash. D'accord. Je veux vous ramener, je vais rappeler au public que vous êtes là et que voilà que vous êtes extraordinaire, que vous avez un talent magique et voilà. Vous ramenez dans la lumière. Absolument. Moi, je vais faire la même chose avec Nicolas Perrac. Nicolas, je crois qu'il est au Canada. Eh ben, dis donc, il est pas loin. Eh ben voilà, ben oui. Allez, enfin un album pour Nicolas. Eh ben voilà. Allez, Nicolas, même combat. Version remixée Technobeat de mon père. Tout mon père que j'avais. Mais ça va, mais c'était fort. C'est quoi cet épisode? Chers auditeurs auditrices, je vous assure qu'il est revenu direct du travail et qu'il a juste eu... un demi-quart de moitié de Dunkel à 5 degrés. Qu'est-ce que je mets dans mon café Qu'est-ce que je mets dans mon café? Ça, je ne sais pas. Bon. Rien. Bon, avant de dire encore plus de bêtises, oui. Je rappelle que l'album s'appelle, je ne sais pas. Mais voilà, je ne sais pas, n'importe quoi. Le documentaire s'appelle The Return of Tanya Tucker, featuring Brandi Carlile. D'accord. Et l'album s'appelle, monsieur. Oui. Il s'appelle. Il ne connaît même pas ses références par cœur. Il s'appelle. Oui. Il s'appelle. Il s'appelle, car c'est masculin. Elle s'appelle si c'est une fille. Bon, ça va. J'explique à mes élèves. While I'm Living. Wow. Et le dernier morceau qui s'appelle Bring My Flowers Now. Mm-hmm. On voit la genèse de l'écriture de ce morceau en direct dans le documentaire de l'idée qu'a eu Tanya Tucker et que Brandi Carlile l'a prise comme un ballon de foot américain et elle s'est mise à courir avec et elle a écrit le reste de la chanson et avec des choses des discussions qu'on voit dans le documentaire et on voit le projet final, la chanson finale. Ah, c'est magnifique. Écoutez, c'est beau, voilà. Si vous aimez la musique, si vous aimez la country music, ou même pas forcément la country music, mais juste le processus de création de la musique, d'enregistrement, c'est magnifique. Voilà. Et une vieille gloire de la country remise au goût du jour. Je ne vous déflore pas la fin, mais c'est bon. Voilà. Voilà. Ça s'appelle... marche aussi pour les fans de Sylvie Vartan. Aussi. Mm-hmm. Pourquoi pas. Bon. Et donc, l'album s'appelle While I'm Living et le documentaire s'appelle The Return of Tanya Tucker featuring Brandi Carlile. C'est tout. Très bien. Et j'arrête là. C'est simple. Oui. Est-ce qu'on passe au Sampé? Oui, parce qu'on a parlé de Saint-Marin, des îles Marshall, enfin voilà. Quid du Sampé? Voilà, évidemment. On y va. Dans le cadre d'une économie verte, respectueuse de la parité et de la marité... Ah, mais je vois que quelqu'un passe à moi tout de même. Pardon? Non, j'ai dit marité, pas maïté. Ah, mais je m'en vais si je vois que je les range. Oui. Alors, il ne faudra pas s'étonner, et ce, dès janvier 2024, des nouvelles consignes comme passer l'aspiratrice, allumer l'interruptrice, baisser la radiatrice et éteindre l'ordinatrice.
Monsieur Stéphane, est-ce qu'on passe à la pub? Bien sûr. C'est parti. Mais oui. Jean-Michel Vaquet, on vous savait féru de handball, de badminton, de pétanque bien sûr, bien évidemment. On vous découvre fan de rugby pendant cette Coupe du Monde quand même. Alors, peut-on dire qu'en matière de sport, vous êtes omniscient? Non, comme le science, loin de là, hein, mais bon, face au Sudaf, qui s'y pique, se frotte. Ah, se pique de le savoir. Oui, le savoir, la connaissance, la tactique, c'est bien, mais rien de voir la vérité du terrain. Pour retrouver tous les résultats sportifs à la minute, rendez-vous sur podcut.studio et également sur patreon.com/podcut. Alors, Monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Et j'ai le retour du retour de cette semaine qui est tombé sur mes téléscripteurs ce matin. Oh. Oui, il ne s'agit pas d'un combat, comme dirait Tania Tucker, mais d'un retour. Absolument. Du retour. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas le comeback, c'est the return. Voilà, c'est pour moi les gens qui ont suivi. Ah, absolument. Attention. Hein. Tout à fait, c'est pas pareil, il y a une différence. Bien sûr. Nous vient de Romain Desramont, qui a écrit un commentaire sur notre publication Face de Book. Oui. Et c'était la publication sur la Juicy, tu te rappelles, à la mûre et la noix de coco. Romain nous dit bonjour, bonsoir ou bonsoir, bonjour. Je viens de finir l'épisode de la semaine sur l'IPA goût Bounty. Et pour être honnête, j'ai pensé que vous finiriez révolté. Oh, ah ouais, là, bravo. Bravo. On a failli, là, vraiment, on a failli sortir les couteaux. On a failli... Dans les dents, tu sais, les couteaux avec les dents, là. Ouais, la goût du paradis, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Alors, merci Romain. Si vous voulez faire comme Romain et réagir eh bien, en direct sur nos publications, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Je continue à appeler ça Twitter. X. Non, j'appelle pas ça X. Je refuse. Instagram, Facebook, Threads. Quoi d'autre? Oui, Blue Sky. D'ailleurs, j'ai un problème avec Blue Sky. En ce moment, je n'arrive pas à mettre de photos sur Blue Sky. C'est normal, c'est comme ça, Blue Sky. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis le seul, apparemment, à avoir ce problème-là. Bon, c'est pas grave. C'est normal. Et également, à l'email binoususa@gmail.com. Monsieur Stéphane, vous qui faites le malin, allez-y, oui, parlez un petit peu. Oui, absolument, une très bonne bière. Oui. Qui avait le goût de peu. Oui. Qu'il faut aller chercher à la brasserie à la nage. Il faut se réveiller dans de bonnes dispositions le 30 septembre. C'est comme ça que ça se passe. Effectivement. Non, mais s'ils commencent à être énervants, ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils vendent bon, leurs produits, ben, c'est pourri, vas-y, achète. Et puis leurs bons produits, ben, non, on se le garde pour nous, on les boit en famille. Non, on se garde pas pour nous, mais on se garde une fois par an, faut venir chez nous. Ouais, quoi, c'est faut ça. Venir chez nous, ou alors venir péter notre frigo. Ou, bon, en deuxième partie de soirée, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en deuxième partie? Je ne sais pas. Ah ben, la Faubourg, la Merzen de Faubourg. Merzen, oui, parce que cette demi-bière en appelait une autre, évidemment. Oui. Et je te dis, c'est pas mal, mais. C'est pas mal. Je crois que j'ai déjà passé ce message l'an dernier. Parmi les bières qui nous sont proposées en cette saison et qu'on peut trouver dans les supermarchés, quoique je ne la trouve plus, la mienne en ce moment, elle s'énerve, la Yingling. Oktoberfest tient la barre chaque année. Est-ce qu'on l'a faite dans l'émission? Je ne crois pas. Hey, pourquoi on ne la ferait pas la semaine prochaine? J'aimerais bien. Je ne sais pas, il faudrait qu'on remonte un petit peu dans le temps pour voir si... On ne l'a pas faite en 1972, par exemple. On l'a peut-être faite, je ne sais peut-être, plus. Peut-être, on ne sait plus, on est perdu. Oui, on est à l'épisode 266. C'est une bière qui tient la route parce que elle n'est pas... C'est peut-être une bière presque de table, quand même. Ça peut être hyper sophistiqué. Elle est un petit peu terreuse, elle est suffisamment terreuse, aqueuse. Évidemment, des goûts de noisette, des goûts qui sont attendus pour cette saison et dans le style. Mais elle a deux qualités, c'est qu'elle n'est pas sirupeuse. Elle est un petit peu aqueuse, terreuse et elle est tout à fait abordable, que ce soit au niveau du prix ou au niveau de l'alcool. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quand même Yingling, il n'y en a plus. Non, bon, il va falloir que j'aille à la ville. Mais il y en a chez moi. Ah oui, je sais, par pack de 12. Toi, tu as fait la même chose que moi. Tu as également acheté, tous les ans, je me fais avoir. L'année dernière, j'avais bien aimé, cette année, je la trouve un petit peu en demi-teinte, celle de Sam Adams. Oui.
Elle est en demi-teinte cette année, on est d'accord. Mais comme j'ai... On est d'accord. Oui, mais comme j'ai acheté un truc qui était encore plus mauvais, donc elle est gagnée. C'est-à-dire que je me suis... Qu'est-ce que t'as acheté? Je me suis targué d'acheter donc, la noix de pécan. Oui, ah oui, tu nous en as parlé la semaine dernière. Voilà, ah ben non, elle est moins bonne qu'elle est moins bonne que la Samuel Adams. Effectivement, à un moment donné, quand tu descends en division, tu vois... tu descends en gamme. Tu descends en gamme, voilà. Un truc bof te paraît bien, quoi. Voilà, donc Yingling pour un truc très industriel, très diffusé. Eux, au moins, ils ne disent pas, ben vous venez, ben, pour certaines bières, ils le font. Vous venez à la brasserie, et puis voilà, t'imagines, si on devait aller en Pennsylvanie. J'ai vu un article, il y a un article récemment sur justement Yingling qui essaye de damer le pion à Bud Light et qui essaye de gagner les parts de marché que Bud Light a perdu. Ouais, ben ils vont y arriver. Parce que bon, ils sont pas, on en a déjà parlé, ils ne sont pas distribués dans tout le pays. Non. Mais il faudrait qu'ils se distribuent plus parce qu'à mon avis, il y a des gens, ben, bon, on en a vu ici, oui. Des gens, comment dirais-je, se détourner de Bud Light. Et se tourner plus vers Yingling. Cette bière à la carte, c'est très bizarre. C'était, je savais que ça marcherait. Il y a l'aigle, américain dessus. Il n'y a pas que ça, il y a le goût qui est différent. Ouais, il y a le prix qui est abordable. Oui, mais tout ça, mais je dis le visuel avec l'aigle américain, c'est énorme. Oui, oui. Il y a le goût qui est différent, la couleur qui est différente et tout ça. C'est très abordable. Je pense que les premières personnes qui s'y sont intéressées, ce sont les étudiants. Et pour le prix? Pour le prix, j'ai vu ouais, les premiers acheteurs, bon, hormis moi, oui. que j'ai vu, c'était des gens plus jeunes que moi. Bon, tu me diras, c'est pas difficile non plus d'être plus jeune que moi, mais bon. De comment? Écoutez, je vous en prie. Du don. Et des gens plus âgés, ça commence. Alors, je vais te dire comment ça bouge. Les jeunes, nouvelle génération. Ouais. Là, moins de 25 ans, au départ. Peut-être maintenant, ouais. Moins de 30 ans. Enfin, oui. Vois. Et les femmes. Ah oui. Voilà, qui hop, sont plus aventureuses parfois dans des bières de consommation courante. Oui, voilà. Parce que j'ai vu déjà des femmes acheter de la Modelo il y a plusieurs années déjà. Mm-hmm. Ouais, il y a quelque chose, oui. C'est comme ça, de toute façon, la bière, bon, maintenant Yingling, il y a 4 femmes à la tête de l'entreprise. Mm-hmm. Et bon, je ne suis pas spécialiste mondial, je ne suis pas ethnologue professionnel de métier, mais bon, quand même un petit professionnel peu. De métier. Voilà, professionnel de métier, de la maison, voilà, de la maison ethnologie. Mais c'est un petit peu comme ça que tu fais varier, tu vois, les cadres. Donc, premièrement, peut-être aussi les gens de couleur, comme on dit. Comment, dites donc. Comme les crayons de couleur aussi. Oui. Les crayons de couleur aussi font varier. Les crayons de couleur, bien sûr. Là, je pense également. Mais c'est ceux qui ont commencé à faire bouger les lignes, ce sont les jeunes. Mmh. Ensuite, les femmes. Peut-être les minorités aussi en même temps, là j'ai moins de recul. Parce que bon, il n'y a rien de plus qui m'amuse. Là, je reçois, tu sais, des vidéos faites en Australie. Ah bon? Et donc, j'adore pour l'accent. C'est oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils boivent là-bas? Alors, ben, souvent, ils boivent des trucs, ou ils essaient de boire des choses. Parce que c'est assez rigolo, le point de vue de celui qui est le propriétaire de la chaîne, c'est qu'il adore les nanars américains. Ah oui. Il était américain. Ouais, il était d'ailleurs venu ici en Louisiane avec... Oui, tu nous en as parlé, voilà. Lui. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils dégustaient une bière qui, japonaise, ils ont plus effectivement accès à ce marché-là, en Australie, tu vois. Ouais, c'est plus près, ouais. Et parce que des fois, leur bière, ça coûte... c'est plus près, ouais, ouais, si on veut. Mais les bières d'importation, ça coûte un bras là-bas chez eux. Et ce qui était rigolo, parmi les deux chroniqueurs, il y en a un qui avait un t-shirt Coors Banquet. Oh. Et je me disais, personne ici ne porterait, parce que ça ne se trouve pas... Tu dis ça, mais maintenant, ça se vend. Ah ben oui, mais si ça se vend, moi j'en veux. Hein. Ça commence à se vendre. Et lui, il a le t-shirt nickel. Tu sais, jaune avec ouais, la tête de vache et tout. Oui, ça commence à se vendre. Je vais en acheter un. Ça commence à se vendre, non, je déconne pas. Je vais acheter. Parce que c'est assez rigolo, tu sais, des fois, de voir un Australien qui est plus américanisé qu'un Américain. Oui, quoi, voilà. Ben, c'est le petit bout de la lorgnette, quoi. Oui, mais ça se vend, à mon avis, auprès des lipes, quoi. En parlant de ça, j'ai des auditeurs qui postent sur leur réseau des Miller Genuine Draft. Faites en République tchèque. Oh, c'est rigolo. Qui boivent en France. Oh, c'est complètement loufoque, ça. Oui. Ça, c'est loufoque. On en a un qui ajoute du cassis dedans, crème de cassis, sirop de cassis. Il y a les mélanges, des fois. Bon, essayez de boire des bières tchèques, point barre. Ouais, mais bon, ouais. J'imagine que c'est plus facile à trouver. Ouais, non, c'est pas facile en c'est France. C'est la bière américaine en passant par la République tchèque. C'est pas facile en France d'avoir des bières tchèques non plus, à part bon, la Pilsner Urquell qui des fois meurt dans un Intermarché. Ah bon? Oui, c'est,
Ben, c'est souvent la seule, la Budvar également, qui se meurt. Mais après, le reste, est-ce que j'en connais d'autres moi-même? Non. Non, c'est vrai. Mais non, après, il faut aller chercher sur place. Quelqu'un nous avait fait remarquer l'autre jour cette bière allemande que tu avais ramenée de chez Aldi, monsieur. Oui. On nous a fait la remarque que le visuel reprenait les codes couleurs de Pilsner Urquell, quand même. Oui, aussi, c'est vrai. Ah oui, complètement. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais pas fait rapprochement. J'avais pas intégré, alors que j'ai les deux dans le frigo. On est d'accord. Oui, elles se sont snobées dans le frigo. C'est pour ça. Oui, parce qu'on n'a pas de canette Urquell. Non. C'est peut-être pour ça, mais c'est vrai, complètement, ouais, c'est vrai. C'est exactement le même code couleur. Oui, oui, une touche de rouge, et puis le reste qui est vert et blanc. Ce type de... Non, vert et jaune, en fait. Ouais, vert et or, quoi. Oui, vert et or. Oui, non, c'est tout à fait exact. Ah oui, j'ai pas fait le rapprochement. Même, j'allais dire, la police. Oui, oui, oui. Ouais. Je viens juste réaliser. Oui, c'est tout à fait exact. Ouais. Pils, oui. Ouais. Écoute. Il faut dire que les brassées, pas très loin non plus de la frontière tchèque. Là, ça se, joue, voilà. Si ça se joue à 30 km, c'est le maximum. C'est un petit peu... Je me suis fait la tête de la Pils d'Aurore. C'est vrai, ouais. Si vous, chers auditeurs auditrices, si vous re-regardez notre publication avec la Wernesgrüner... Wernesgrüner. Eh bien, et vous mettez ça à côté d'une Pils d'Aurore. Si vous l'avez en canette. Si vous avez la chance de l'avoir en canette, c'est encore plus évident. Nous ne l'avons pas en canette. Écoute, c'est exact, ouais. C'est criant. Mm-hmm. Ah ouais. Écoute, le code couleur, la police, tout. Ouais, la police, la petite touche de rouge. Pils, légende. Ah, ouais. Parce qu'en plus, bon, le Pils d'Urquell, c'est la Pils légendaire. Oui. Donc là, ils jouent sur ça aussi. Surtout que bon, ils sont voisins. Hein. Quelqu'un avec la vue basse, honnêtement, tu penses que tu achètes de la, ouais, de la Pils d'Urquell. J'ai pas capté ça. Oui. Et voilà, merci, auditeurs. Ils essayent le segment des myopes. Allez, voilà. Merci, auditeurs, qui sont aussi des visionneurs. Absolument. Voilà. Des visionneuses. Voilà. Merci de nous suivre et de nous, eh bien, d'interagir avec nous et de faire des remarques qu'on n'avait pas vues. Oui. Parce que moi, je n'avais pas percuté. Moi, je l'ai bu, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Monsieur Stéphane, avant de dire encore plus de bêtises, qu'est-ce qu'on se dit la semaine prochaine? Bon, moi, j'ai des trucs. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un tournoi Roland-Garros la semaine prochaine. Oui, mais on avait dit autre chose. Ah oui, la Oktoberfest. Oui, mais il faut vérifier si on l'a pas déjà faite. Oui, c'est ça le problème. Celle de Yingling, je crois, on l'a déjà faite. Moi, j'en suis pratiquement sûr. Je crois qu'on l'a déjà faite. Mais bon, il y a d'autres choses. Hein. On va la boire en canette. Elle n'existe pas en canette. C'est vrai. Bon, non, j'avais dit autre chose tout à l'heure. Oui, ben je ne sais plus. Il va falloir réécouter. Vous rembobinez. Voilà. Vous rembobinez. De toute façon, si vous la rendez au marchand, il faut rembobiner. Voilà, c'est ça. Voilà. Mm-hmm. Quand même, sinon, il ne faut pas être mal appris quand même. Voilà. Monsieur Stéphane, quoi d'autre? Rien d'autre. Là j'ai voilà, ça y était. T'as vidé ton sac. J'ai tout donné. T'as tout laissé sur le terrain. Quoi. On a perdu ce match, mais bon, pour un point, c'est peut-être un peu la faute de l'arbitrage également. On a tout laissé sur le terrain. Au moins 15 fautes qui n'ont pas été sifflées. Confère à Elio et la team Saints France. Ouais, ouais. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi c'est pareil de l'autre côté? Bien sûr. Dès qu'il y a un ballon, on va. Ben voilà. Voilà. Bon. Ouais. Apparemment. Bon, bref. Ça ne rebondit pas droit, donc l'arbitre est fait. Voilà. Eh oui, il interprète comme ça. Monsieur Stéphane, on se voit la semaine prochaine pour une autre bière et d'autres bêtises. Non, pas du tout. D'ici là, on se dit quoi? Mais news. We should watch it.